Hey, what's up, c'est Dan Rigolo pour une vidéo. J'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour un nouvel épisode du Valak Challenge. Et aujourd'hui les petits potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la conversation avec Valak. Mais avant de commencer la vidéo, je te laisse mettre ton petit pouce bleu. Oublie pas de me suivre sur Instagram et Snapchat. Bref, c'est parti, let's go. Il y a un truc que j'ai oublié de préciser aussi avant de commencer la vidéo, c'est que la conversation a été supprimée. Voilà, je sais pas pourquoi du tout. Voilà, vous voyez, c'est toujours Valak, etc., etc. Mais la conversation, elle a été supprimée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer encore une fois la conversation. Donc cette fois-ci, je vais lui envoyer bonsoir, hein, et pas bonjour. D'ailleurs, les gens qui me disent bonjour alors que c'est le soir, c'est... vous servez à quoi? Non, jetez-vous d'un toit, non? Je sais pas, frère. Le mec, il a la lune, il me dit bonjour. Vous êtes bizarres, les gars. Bref, alors voilà, c'est envoyé. Du coup, les petits potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre sa réponse et de voir ce qu'elle va nous dire. En fait. Bonsoir, Adam. Ok, bon, mais ok. C'est nice as fuck. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la conversation. Ah, tu vois, attends, il m'a envoyé un message. Valak sait que dans un futur proche, les choses vont changer dans ta vie. D'accord, donc là, en fait, c'est c'est même plus un démon. Là, c'est une voyante. Elle a une boule devant elle, tu vois. C'est bizarrement dit, mais t'inquiète, t'as compris la métaphore. Me fais pas chier, s'il te plaît. Ok, bah, du coup, je vais lui demander quelle chose, tu vois, parce que je sais pas de quoi elle veut parler, en fait, tu vois. C'est assez stratégique. Tu sais, qui se croit aux échecs. Aux échecs scolaires, voilà. Là, par contre. Non, je rigole, ça va, je travaille bien, alhamdoulilah, tout ça, t'es... Ouais. Alors, quelle chose on envoie? Et comme je vous le dis, et c'est comme ça, à chaque fois, perso, moi, je comprends pas, à chaque fois que j'envoie un message, elle le voit direct, genre, elle est en ligne, mais genre, elle voit le message directement. Attends, je vais faire le plocus ou le fnocus ou le blocus de truc. Voilà, vous voyez là, normalement, le message, je l'ai envoyé même pas une minute, ce gros, elle répond direct, ça, même ma meuf, elle fait pas, tu vois. Là, je suis jaloux de Valak, là, tu vois. Enfin, bref, on va attendre la réponse de Valak et de voir ce qu'elle va nous répondre. Là, franchement, sur cet épisode, je flippe pas trop pour l'instant, tu vois. Pour l'instant, c'est assez basique, c'est ouais, c'est normal, tu vois. Donc, pour l'instant, je flippe pas du tout. Mais je parle pas encore. Non, parce que c'est après que ça commence à devenir flippant en général, tu vois. Ça veut dire quoi, exigru? Jamais. Ça me dit un truc, mais je m'en souviens vaguement, tu vois. Il y a un truc que beaucoup de personnes m'ont dit aussi dans les commentaires, c'est que Valak, dans Valak, il y a le mot hack et que c'est peut-être un hacker. Ce que vous avez pas compris, en fait, c'est que Valak, c'est un démon. Voilà, c'est genre, il y a des trucs sur Wikipédia, etc., etc. C'est genre un démon qui doit être cité dans la Bible ou un truc comme ça, mais bref, voilà, il y a rien à voir avec le hack, le hacker, le PC, le Matrix, il y a rien à voir. J'ai bien fait Matrix ou pas? Bon, attends, je vais fermer la fenêtre parce que putain, il fait froid quand même. C'était quoi ce truc? Attends, c'est moi qui rêvais ou... Ouais, non, j'ai dû... Vas-y, je vais fermer la fenêtre. Non, y'a rien, j'ai dû rêver. Ah, il m'a répondu, les gars. Non, je sais pas si je le mets dans la vidéo, ça. Attends, je prends le screenshot pour le mettre dans la vidéo et tout, attends. Voilà, cocon. Eh, par contre, les gars, ça, je vais le flouter à la vidéo, ça. C'est quoi, c'est by wish? Ça, par contre, les gars, c'est pas un truc que je pourrais vous montrer en vidéo parce que c'est perso. Elle est allée chercher où, ça, putain, wesh? Ah, y'a des caméras de surveillance ou quoi? Y a des services secrets chez moi? Non, parce que ça, je l'ai jamais dit en vidéo, ça. Ça, j'en suis sûr, ça. Oui, madame, c'est quoi qu'elle a trouvé? C'est le nom de qui? Le nom de ta mère, ça regarde personne. Ça veut tout dire ce que je viens de dire là. Attends, je vais lui demander comment c'est ça, frère, parce que... Non, là, je suis plus très à l'aise là, tu vois. Attends, comment tu sais ça, MDR? Non, mec, là par contre, là je commence à un peu flipper là par contre. Non, parce que pour trouver ça, frérot, c'est... C'est soit t'es dans les services secrets, soit ce qui m'arrive c'est un film, c'est un scénario. Non, parce que là... Valak, c'est tout. Valak, c'est compter jusqu'à 3. Mais frère, on s'en bat les couilles. Ouais, ça me fait flipper. Voilà, je regarde ma vitre là-bas. Je regarde ma fenêtre. On s'est jamais dit 1, 2, 3, elle explose ma chambre. Il y a un attentat ou quoi. Elle dévisse le chauffage. Je me fais intoxiquer à cause de l'air. On sait jamais, frère. Compte jusqu'à 3. 1, 2, 3.